L'année scolaire a fait que ça a très préoccupé nous et ça a préoccupé le gouvernement tout et surtout le président de la République là, parce qu'on est un dans eux et le président de la République là, c'est l'éducation. Et l'éducation, c'est un axe central pour le changement dans le pays. Ça. Et c'est la base fondamentale, comme on dit, pour tout développement. Et nous-mêmes, nous suivons ça de près et nous sommes toujours en contact avec le directeur départemental là. Je pense que nous-mêmes, nous sommes très proches de directeur départemental là pour nous garder toute avancée qu'a fait dans le domaine de l'éducation. Cela veut dire nous-mêmes, conseil, ou mandé pour nous bailler, c'est même conseil nous débailler l'école de la table ouvrière, c'est que je dis à parents, ils ont une responsabilité pour mettre Timoun à l'étude, pour aider Kembeyo pour l'étude là capable d'avancer, pour Timoun capable de venir un meilleur avenir pour demain, parce qu'ils n'ont pas un bon avenir sans que ne pas passer par l'éducation. Nous et conseillers, professeurs et institutrices, instituteurs, pour bailler le maximum de eux-mêmes pour que Timoun Zayo soit capable de sauver, pour que le pays soit capable d'avancer. Et nous disons, et tout responsable au niveau scolaire, pour atteler et problème logistique là capable de poser tout au niveau de l'éducation. Parce qu'il n'y a pas besoin de moyens pour y aller faire inspection. Parce que je dis, il faut que l'inspecteur soit capable de moyens pour déplacer. Et je suis très soucieux de ça, comme directeur départemental, il est au courant de questions, nous parlons ensemble. Et quand il y a l'école Psugo que le gouvernement a mis en place, ça, nous avons besoin de monde qui pourra vérifier l'école de Sarajevo, pour faire inspection là-dedans, pour si tout le monde à l'école, ça manque pour que l'école soit capable d'avancer. Parce que je dis à constamment fait, et nous marchons dans pile côté. Et très prochainement, nous allons inviter une inauguration de l'école que nous avons essayé de mettre sous pied au niveau de la délégation. C'est l'école maternelle pour que si nous avons depuis un bas âge, pour nous capables de garder, si nous sommes capables de prendre. Parce que nous avons 3 ans, 4 ans que nous rencontrons des côtés qui parlent de l'école. Et nous avons gardé si nous sommes capables de mettre l'école maternelle sous pied avec les moyens que nous gagnons au niveau de la délégation, en appui avec l'éducation nationale. Pour que nous mettions l'école ça sous pied, pour, depuis à la base, pour nous faire l'école moderne, nous avons essayé de faire l'école moderne, pour que si nous avons, depuis notre âge de 3 ans, nous commençons à faire une directive. Et c'est dans ça que nous avons fait dans tout le quartier populaire, et je pense que c'est dans ça que nous avons fait aujourd'hui. L'école là en préparation, nous commençons à faire nos locales, et nous avons fait nos urbaines locales, et nous avons essayé de regarder si nous sommes capables de faire un professeur pour nous mettre là-dedans, pour qu'à la base, nous commençons à regarder si nous sommes capables de mettre les gens dans nos lignes. Faire passer dans l'école qui est correcte pour que demain nous ayons un avenir qui est capable de changer.